Vous regardez RTL. Bourville porte le nom qui est le titre du film et c'est aussi le nom d'un évêque célèbre qui n'a rien à voir avec le film. Fortuna. Fortuna, bonne réponse de Laurent Deutsch. Fortuna était surtout un des derniers auteurs qui essayait de raccorder avec l'Antiquité, puisque évidemment sous le christianisme on a vraiment fait la guerre aux polythéistes et donc aux divinités grecques, latines, donc tous les auteurs, les Virgile, Sénèque, Cicéron, on les a dégommés, et Fortuna est un petit peu le dernier qui a essayé de faire le lien entre le christianisme. Regardez Isabelle et l'Antiquité. Qu'est-ce qu'il y a Isabelle? Non, je pense à sa femme. Bah, elle fait comme ta chienne, elle tourne la tête. Oh ben, vous n'êtes pas comme ça avec votre femme à table. Ah, si. Oui, mais il est passionné. Ah oui, mais je trouve que c'est un formidable exemple, Laurent, parce que ça prouve bien que quand ça prouve bien que quand on est passionné, qu'on est vraiment habité par quelque chose, fallait le faire quand même, de faire un best-seller avec les stations de métro. Mais il transmet son enthousiasme et c'est ravissant, vraiment. Pas bien en ce moment, ça va pas, si. Non, je trouve que c'est formidable. Voilà. Elle est en train de vous draguer parce que je signale aux auditeurs. Elle va plus m'appeler. Hein. Avant même que l'émission démarre, elle a commencé par vous dire que vous deveniez très très beau. Oui, bah moi je trouve. Plus vous vendez d'ouvrages, plus elle vous trouve beau. Non, je crois que c'est l'épanouissement de soi-même. De l'homme accompli. Oui, absolument. Et quand il avait. Et puis il fait partie de ces hommes qui sont de plus en plus beaux en vieillissant, mais qui étaient vraiment. Oh là, t'étais un peu tarte à 25 ans. T'étais tous mes gros hichons. Ah ouais. Donc tu m'appelleras plus Isabelle, j'ai l'impression que tu vas appeler Laurent. Pourtant, je prépare un bouquin sur les arrêts de bus, moi. Alors, Fortuna, c'était aussi le nom, effectivement, de ce film réalisé par Alex Joffé, où Bourville aide Michel Morgan à fuir, voyez, pendant l'occupation avec ses deux enfants. Et d'ailleurs, parmi les deux enfants de Michel Morgan, aidés par Bourville dans ce film, il y a Frédéric Mitterrand. C'est lui, Frédéric Mitterrand, oui, qui joue un des deux gosses. Ah bon, voilà. Ah, vous saviez pas ça? Non. Ah, on apprend des trucs au gros. Bonsoir. C'est vrai que t'es imitatrice, j'ai oublié. Quelle imitatrice? Ah, quel talent. Bon, fais-nous Roselyne Bachelot, c'est tellement formidable. Oh, bah, non, c'est pas mon talent, c'est nul. Vous connaissez pas les talents d'imitatrice? Ah, une palette. Elle peut vous faire Charles Aznavour si vous voulez. Ariel Dombal. Oui. Bonjour, avez-vous la valise? Isabelle Mergaud, vous pouvez imiter Isabelle? C'est confondant. Et Karine Le Marchand. En fait, je vois pas pourquoi j'invite d'autres femmes que vous. Vous êtes capable d'imiter toutes les grosses têtes. Ouais, c'est pas la peine d'inviter les autres. Hein. Toutes les grosses têtes féminines. Vous enfin, on parle de la voix parce que physiquement, on est allé loin quand même. Hein. C'est méchant. Je le savais, t'étais trop belle pour être gentille.